Jeudi, c'est lundi 16 avril 2018. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mitan Junior sur Télévision Nationale d'Haïti. Pourquoi il est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur Winner Polidor pour conditions météorologiques Junior, nous invitons à suivre. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique journée. Merci pour filer toi avec attention. On a le comment situation et déjà nous souhaiter avec chaque monde une bonne semaine. Nous avons une interaction entre zone de haute pression qui trouve sous Atlantique Nord et zone de basse pression qui trouve sous la mer Caraïbe, tout près Amérique du Sud. Interaction entre deux zones a provoqué un temps venteux sous pays avec soleil au cours de journée. Mais brise de mer cap rentrer sous nous avec réchauffement pendant la journée parce que température est très haute aujourd'hui, capable de provoquer quelques activités la pluie, surtout à l'intérieur des terres, département cap concerné, c'est vraiment Artibonite Sainte et puis l'ouest, à la rigueur, l'extrême sud-ouest, ça veut dire Grand-Est et Sud, on est capable de venir quelques activités la pluie pour aujourd'hui, et avec ça, c'est au cours de soirée ou éventuellement pendant au cours de nuit là. Pour capital là avec zone qui environne le son capital cap joue de beau temps avec soleil et puis vent cap vanté, mais possibilité pour gagner quelques petits averses isolées en soirée sous certains quartiers, mais dans l'ensemble c'est un beau temps sous majorité département pays d'Haïti, surtout capital là avec zone qui environne le. Température aujourd'hui elle a fait la très haut, c'est-à-dire la chaud, la montée jusqu'à 35 degrés Celsius. Et puis, la descente dans le temps, c'est 23 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter sous golfe de la Gonave, mais côte nord avec côte sud, par rapport avec zone de haute pression et zone de basse pression, nous sommes capables de la mer qui agite à faute sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Et pour page astronomique, nous avons un soleil qui a couché aujourd'hui à 7h07 et la levée demain matin à 6h31. Si vous avez gagné pour cette situation météorologique là, merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain sur notre page météorologique. Merci Wilner Polidor, président public là, Jovenel Moïse, retourné dans le pays lundi 16 avril là. Après participation dans le 8e sommet américain dans le pays Pérou, chef l'État qui était gagné avec première dame République la Martine Moïse, ministre des Affaires étrangères, avec plusieurs responsables dans l'État, rencontré plusieurs présidents dans le cadre de coopération Haïti avec le pays Sayo. N'a précisé, 8e sommet américain déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. Président République la Jovenel Moïse a participé vendredi 12 et samedi 13 avril dans le 8e sommet américain dans le pays Pérou. Gouvernance démocratique face à la corruption, c'est thème qui était débattu pendant le sommet. Ça. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernier a présenté nous un compte rendu. Après une journée de travail bien remplie, président République la Jovenel Moïse, qui était avec lui, première dame Martine Moïse, franchit tapis rouge Grand Théâtre National Ville Lima pour assister à l'ouverture officielle 8e sommet pays américain. Président péruvien dit porte l'ouvrir pour recevoir délégation haïtienne et puis une trentaine d'autres chefs d'État et gouvernement qui présent dans le pays Pérou pour discuter sur l'avenir pays membre OEAO, spécialement sur ce qui concerne une série de points sensibles, tant que bonne gouvernance et lutte contre corruption dans la globalité. N'a rappelé 7 février 2017 l'elle montée sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse lagué coucou rouge contre corruption et puis posé divers pions pour faire réforme institution yo. Ça qui représentait un véritable défi pour pays en développement yo. Président République là, Jovenel Moïse prononcé sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur côté le fait connaître la police avec la justice a travail sous dossier ça. Chef l'État, qui a intervenu dans le 8e sommet américain, présenté sympathie peuple haïtien, by peuple équatorien, côté des journalistes à qui un chauffeur mouri assassiné sous frontière qui séparait Équateur à Colombie pendant le président Jovenel Moïse fait remarquer. C'est tout côté sous la terre, phénomène banditisme à bail problème. Nous invitons à suivre un extrait. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien et à mon nom personnel, présenter le sympathie au peuple équatorien, le président Lénine, suite à l'assassinat de deux journalistes équatoriens. Le banditisme et les crimes organisés frappent partout et ces fléaux n'ont pas de frontières. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles aussi en Haïti avec la disparition de journalistes haïtiens depuis près d'un an. La police et la justice haïtienne travaille jour et nuit
pour faire la lumière sur cette disparition. L'autre information dans le journal là, ministère haïtien Cap Vive l'autre Bodlo, lancé vendredi 13 avril là, semaine activité pour marquer journée nationale diaspora, qui a fait sous thème vers une meilleure intégration pour une Haïti plus forte et plus prospère. Conférence débat, rencontre avec plusieurs haïtiens qui vivent dans la diaspora, émission spéciale dans la radio, c'est quelques parmi activités qui a déroulé sorti 15 pour arriver 21 avril là. Ministre haïtien qui vivent dans pays étranger, Dr. Stéphanie Auguste fait connaître, c'est pral occasion pour haïtiens qui évoluent dans la diaspora, fait passer projet développement européen pour pays. Sous Bopal, directrice générale Mavla, Yolette Mengroal, indique que Journée nationale diaspora doit permettre la société à reconnaître contribution diaspora dans l'économie nationale. La. Nous invitons à suivre. C'est une opportunité pour Haïti pendant toute semaine ça pour gain regard qui fixé sur pays hein, et pour diaspora frère actionnaire qui dans l'autre pays ka wè qui ça qui gagne comme potentiel pour venir développer zone yo pour Jean président Jovenel Moïse qui gagne vœu pour mettre électricité pour développer agricole pour développer la terre alors là c'est nous gagne par exemple dans activité que n'a bien un chef de cabinet monsieur Lalo qui a bien parlé des opportunités d'investissement pour la diaspora Haïti en Haïti ça veut dire j'aime ce dit là tout chantier qui ouvert pour diaspora venir investir venir développer pays diaspora permet que monde en Haïti joigne un espace pour que justement yo apprendre à connaître ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui service li offri à diaspora en termes de ministère et de transversalité Jean ministre Sodilan et à travers conférence qui a fait dans la presse et conférence débat qui a fait en d'un ministère là avec des spécialistes sur question diaspora mais ça pral permettre société civile là li informer davantage de travail ministériel et ça va permettre tout que nous valoriser apport diaspora processus développement économique pays d'Haïti et ministère là associer la différents institutions dans pays en différents l'autre ministère et tant que ministère de l'intérieur pour que justement nous mettez magistrats au service de la diaspora côté magistrats dans différentes communes tant que projet ministère saute parler avec jeunes qui a sorti Guadeloupe là c'est environ 8 magistrats dans zone métropolitaine là cap gagner pour chita avec jeunes ça pour être qui gens yo capable porter coller dans question gestion fatra. Secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo en collaboration avec ONG CBM et puis Union européenne remet un chèque 2,962,076 goud by 6 organisations cap travail avec moun handicapé dans plusieurs régions dans pays. 6 organisations sociales sayo te présenté puis bon projet centre pour inclusion te organisé dans cadre d'un concours pour un ensemble projet cap durer 6 mois. Nous invitons suivre un reportage avec Sainte-Croix Paki. Sous 12 organisations qui travaillent avec mon handicapé, c'est 6 seulement qui arrivent à remporter concours présentation puis mon projet centre inclusion bureau secrétaire d'état pour intégration mon handicapé à ONG CBM te organisé. Nos objectifs sont pour accompagner toute organisation autonome qui a une formation dans le domaine informatique, gestion, pour ceux qui vivent avec un handicap physique. D'après l'explication, secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicap, Gérald Oyo Junior. Et ça fait environ déjà 3 ans que nous travaillons avec une organisation internationale dénommée CBM et l'Union européenne et dans le cadre d'un projet et baptisé Centre pour l'inclusion. Centre pour l'inclusion, c'est une structure qui loge en dans le bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés au niveau du bureau central de l'Ouest, mais également et de l'autre bureau départementaux, notamment dans l'Artibonite et dans le plateau central. Et Centre pour l'inclusion là pour vraiment accompagner et association, organisation des handicapés et renforcer la capacité sous différents thème vraiment. Par exemple, leadership, élaboration de projet et offrir autour un cadre côté et capable et renforcer et tête yo. Par exemple, et à travers cette là, si y a une nécessité pour faire des réunions de travail, yo capable d'utiliser espace cette là, si y a
besoin d'utiliser ordinateur et photocopieuse, ils sont capables d'utiliser matériel qui est dans le centre. Donc c'est un soutien vraiment qui l'a pour accompagner et renforcer capacité technique, association, organisation mon handicap. 2,960,076 gouttes, c'est quantité l'argent ONG CBM avec l'Union européenne mettait à disposition 6 organisations pour démarrer projet yo, d'après ambassadeur Union européenne Vincent Degère avec représentant CBM Arnaud Hull. Nous avons un engagement très fort pour créer une société plus solidaire, plus inclusive. Et c'est ce que nous faisons avec le secrétaire d'État ici pour essayer non seulement de faire adopter des lois et de faire appliquer ces lois. C'est pas toujours facile. Quand on regarde les bâtiments, on construit pas toujours des bâtiments qui sont facilement accessibles pour les personnes handicapées. Ou quand on fait des routes aussi, de penser effectivement au rôle des personnes handicapées dans ce contexte-là. Donc c'est un effort permanent de persuasion. Et puis ensuite, il faut aider les organisations locales de base qui travaillent là-dessus. Donc on est très heureux de montrer aujourd'hui que l'on peut aider très directement des associations qui vont aider les personnes handicapées à être plus autonomes. On essayait de vraiment trouver les besoins au terrain et on travaille avec les organisations comme BISAF en Haïti, mais aussi avec les autres ONG, organisations non gouvernementales de tout le monde pour les faire des personnes handicapées. Représentant organisation Timoun Handicapé d'Haïti et Mouvement Intégration Moun Handicapé dans Ville Saint-Marc, c'est parmi 6 organisations qui remercient ONG CBM et l'Union européenne pour moyen financement ça qui va permettre d'atterrir le projet de développement. Yo. Ah, moi vraiment apprécié. Parce que chaque organisation qui travaille avec un groupe Moun Handicapé, c'est où est que l'assistance non seulement est adéquate et intégration l'a pas avancé côté que dans sensibilisation on pas regrette faire sensibilisation pour intégrer mon handicapé dans tout ça qu'a fait dans pays. Organisation ça yo qui sorti dans département la Tibonite, plateau central, l'ouest, gain 6 mois pour remettre rapport sur ensemble projet y a exécuté yo. Merci Paki ak Rémi. Organisation haïtien observation promotion ak défense droit moun OHDH si un vendredi 13 avril là yon protocole accord ak plusieurs organisations moun handicapé. Accord ça kap dire de l'année pral permettre moun handicapé yo gen accès ak la justice même jan ak tout moun nan société a sans yo pas dépenser yon goud selon coordonnateur général OHDH la Joanne Merzius. M'invite au suivre yon bout nan déclaration. Dans le regroupement, on a exigé résultat enquête ça. Non titan qui pas trop loin ou bien pressé parce que faut yo ban nous résultat enquête là pour nous connait trace Vlad. Nous besoin connait côté Vlad passé. Est-ce qu'elle mouri, est-ce qu'elle vivant, moun ki pou vini pou pini, moun ki pou juger pou juger. Donc c'est ça on a cherché. Nous vinn demander les plus hautes autorités du pays pour prendre responsabilité. Prendre responsabilité à qui Jean. C'est prendre toutes dispositions possibles et imaginables pour mettre en place un ensemble de stratégies qui peuvent permettre, souvler, que yo rive désarmer moun dans zone sa qui gen zami légal nan men yo qui livre yo nan on dynamique de banditisme, cap terroriser population, hein. Prendre zami nan men yo, pacifier zone sa yo qui jodi a c'est des zones qui quasiment inaccessibles que moun pa ka fréquenter, moun pa ka rentrer, moun pa ka vivre là-dedans yo. Et puis mettez moun sa retour dans une dynamique de réinsertion. N'a quitté pas bon ici dans fond coup de pied dans département nord-ouest pays a. Espace réflexion, recherche et action ERA organisé hier dimanche 15 avril 2018 là, deuxième édition journée livre collège Notre-Dame de Lourdes dans ville Port-de-Paix. Une activité culturelle avec intellectuel en plus passé un millier élèves, directeur l'école, étudiants, université et professeurs t'ai participé dans activité ça. Marc Ediosam pour plus de détails. Objectif activité ça, c'est porter une réponse à carence lecture qui gagne dans milieu scolaire surtout et puis montrer jeunes yo importance lecture gagne dans cadre processus acquisition savoir. Yon problème en pile professeur dans université a plein de li en pile. Dans ça, espace réflexion, recherche à action, passer à l'action d'après professeur Michel Fidnel, coordonnateur IRA. Constater le manque flagrant et fréquent, un déficit dégoûtant. J'ai une génération qui ignore son ignorance et va décider de mettre dans les mains des jeunes et de tous en général le livre. Meilleure prévention à une situation de laquelle tous et toutes
se plaignent tout bas. Ne voulant pas se plaindre, Hera agit en invitant les jeunes, la communauté tout entière à rentrer dans les livres. Soubopal, professeur Cédu Anelson, doyen faculté sciences éducation dans l'université publique Nord-Ouest, là, qui applaudit l'initiative ça, pas caché inquiétude li devant gros difficultés en pile étudiants gagnant à cause problème lecture. Nous-mêmes, comme responsables d'université, comme professeurs à l'université, nous recevons une série d'étudiants qui arrivent dans la première année d'université, comme si elle ne qu'on lit. Si elle ne qu'on lit, déjà, nous sommes capables de dire que c'est une prémisse pour l'étudiant qui connaît l'échec. Parce qu'il y a des choses qui pourraient aider l'étudiant dans l'université, pas étudier à le craser bête, gens ça passer dans le système traditionnel là. Mais il faut lire, il faut comprendre, il faut parler de lire. Directeur départemental adjoint ministère éducation nationale à formation professionnelle dans Nord-Ouest, professeur Max Eddy Augustin, qui était participé dans la deuxième édition Journée Livre ERA, mandé initiateur activité ça pour continuer dans le même sens. Parlant encourager tout participant yo puis continuer répondre présent dans genre d'activité ça yo qui permet yo meubler l'esprit yo. Depuis Cité Capo la mort port de paix Mok Eddy Osam, antenne télévision l'état. Prisonniers dans Gonaïve qui ferment dans un espace qui pas de fait pour ça, transféré en 20 longtemps dans prison provisoire, autorité a aménagé dans l'ancien base Minusta qui dans quartier Bienak. C'est la mairie Gonaïve qui prend initiative ça grâce à Primati qui baille 8 millions de gourdes pour réaliser travail ça yo. Exalus Mergina. Après place Dame Gonaïve là, c'est dans l'ancien base Minusta qui dans quartier Bienak. Autorité communale yo a pas aménagé actuellement un espace pour loger provisoirement. Prison civile Gonaïve là, après travail pour clôturer espace là à construction cellulio, boss maçon qui sous chantier pour connait là a fixé grillage en fer forgé qui dans entrée cellulio. Travail qui était au temps coup installation toilette moderne, douche, cafétéria et éclairage espace là t'a dû finir dans environ 8 semaines d'après maître communal Gonaïve là, Nel la Tortue qui t'a fait une visite sous chantier là. Pendant le week-end passé, même si que mon nom sont prisonniers réguliers, mais faut respecter droit. C'est dans le contexte qui fait que ouais, je dis que nous font bagaille que plus ou moins côté que pour après cellulio par rapport avec en bas, nous gain espace pour mineurs, espace pour femmes, nous gain 5 cellules là qui là pour garçons. Alors nous ouais, c'est sur un chantier nous, des toilettes modernes qui a fait, gain des douches côté que vraiment a fait beau kit là n'a pas gens éliminer, cafétéria fait de yo ouais clôture là. Et nous parler avec EDH d'ici l'autre semaine là pour commencer à mettre main pour éclairage. Vraiment nous avons dû espacer en chantier et d'ici 2 mois que nous avons supposé retirer prison sous place pour permettre de mettre prisonniers là. Nouveau espace ça qui va l'accueillir détenu Gonaïvio gain là-dedans 5 cellules. C'est la primature qui baille un valet 8 millions de gourdes qui permet d'aménager espace ça qui est capable d'accueillir environ 300 prisonniers. Nous avons expliqué au premier ministre la nécessité de gain, l'idée de comprendre ça et l'idée de nos moyens que nous permettre que nous réaliser ça. Que nous demandons et nous fait à la hauteur de 8 millions de gouttes. Prison civile Gonaïve là, pas seule institution qui logeait pour Gounila dans l'ancien local ministère. C'est plus passé, il y a une dizaine de bureaux publics parmi eux, nos cités au Fatma, Affaires sociales, Bien-être social, IHSI, Commerce, Conditions féminines, Sport, EPPLS, avec la police qui déjà monté quartier général li dans l'ancienne base Mission Nations Unies. N'a pas rappelé c'est depuis la fin année 2003, ville Gonaïve pas gagné prison à cause nèg qui tape bataille pour renverser ancien président Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir, té boulé puis crasé prison civile Gonaïve là pour être capable libérer quelques militants. Exalus Mergena, Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Pour raison personne pas connaît individu moun pa rive identifié mette di fe dans local direction lycée Jacques Prévert Miragouane 14 avril 2018 là yon bureau yon ordinateur ak plusieurs documents brûlés. Anne Myriam Loiseau pour plus détails. Individu moun pa identifié mette du feu dans partie établissement scolaire lycée Jacques Prévert Miragouane qui chita en bas fond quartier populaire centre-ville là 14 avril 2018 là. C'est gardien l'école là qui remarqué direction institution ça gien du feu qui informé responsable qui au même fait appel à autorité constituée dans zone là pour constat légal. Juge tribunal de paix Miragouane qui te fait déplacement déclaré bureau yon ordinateur ak l'autre document qui brûlé. Maître Sauveur Bétoni a porté plus précision. Effectivement, nous constater pour nous yon bureau métallique qui censé incendié avec presque tout document timon yo selon et déclaration les responsables dit nous gien ordinateur qui c'est une base des données qui gien les dates de peut-être plus de 10 ans base des données là côté qui incendié tout
et nous constatons sans sera il est enflammé et presque le tout. Il y a aussi des documents enflammés. OK, c'est ça nous constatons nous-mêmes bien au câble électrique tout qui s'est déjà nous conduit en bouger l'édition allonge qui s'est brûlé. Socialiste a fait connaître depuis l'existence de l'école là, c'est première fois incident ça enregistré. Professeur Ronald Desrosiers qui posait question pour qu'on ait raison qui poussait bandits mettre du feu dans direction lycée estimé responsable pas gain problème à personne. Ça fait 3 mois depuis individu yo pas connaît pendant 3 fois te cadenassé barrière entre principal établissement ça pour empêcher le fonctionner. Chaque fois action ça produit, directeur l'école là toujours mettre responsable direction NIP éducation départementale là au courant de situation ça. Selon maître Desrosiers, yo te même promettre yo agent sécurité mais jusqu'à présent pas gain rien qui fait. Admirer Amazon et pour NIP Miragouane pour TNH. Merci Anne-Myriam Loiseau. Voilà, amis téléspectateurs, moment arrivé pour nous observer un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné. L'actualité sportive là, football ASC, c'est nouveau leader championnat national première division. Et puis à l'étranger, football, Paris Saint-Germain remporté championnat de France pour une 7e fois. Et puis en Angleterre, Manchester City, c'est équipe qui sacré champion. Nous invitons à suivre. Football première division, tu connais 11e journée, le week-end qui se passe là. Côté 20 goals, tu es manqué dans la compétition. Racing Club Haïtien quitté la Kaili dans le stade Célio 14. Fait match nul 1-1 avec Don Bosco de Pétionville. ASC quitté la Calito, n'a pas que Saint-Victoire du Cap Haïtien, fait une large victoire sur Valencia de Leogan, score final 4-0. Cosmopolite sous Bopal, fait un bon résultat en déplacement la Calais AS Mbalé dans le Parc Baya, si un goal partout. Dans la ville Jacmel, équipe locale là, AS Sud-Est, qui patron forme passé ça, réveillé l'île sous Wanamet Football Club que le bat Calgol à 1. 88e rencontre entre Baltimore et Tempête, constitué de Bissé Makwa, pas de goal qui manquait, match a fini 0-0. Mais résultat yo en détail. ASC bat Valencia 4-0. Petit Gouaf fait match nul 2-2 avec Fika. AS Mbalé fait 1-1 à Cosmopolite. AS Sud-Est bat Wanamet 4-1. Racing Club Haïtien fait match nul 1-1 avec Don Bosco de Pétionville. Cavalli fait match nul sous même score à Christine de Gounaïve. Baltimore Tempête 0-0. Real Hop bat Akaye 2-0. Classement présenté comme ça après 11 journées. ASC 1er 24 points. ASM 2e 22 points. Tempête 3e 18 points. Valencia 4e 18 points, 5e Don Bosco 16 points, 6e Fika 15 points. Dans le bas classement, nous jouons le Racing Club Haïtien 15e 8 points, AS Sud-Est 16e 8 points. L'autre nouvelle, justice et politique dans les écrits du pape François, c'est sous thème ça, vice-rectorat dans les affaires académiques, Université l'État organisé, vendredi 13 avril là, il y a une journée étude. Activité ça, t'est organisée pour différents docteurs dans divers domaines, tant que sciences politiques, sociologie, droit, philosophie, t'est brassé l'idée sous vision, pape François et étudiants qui t'est présent dans l'activité ça, il y a un compte-rendu à Rachel Saint-Fort. Faire étude, encourager jeunes étudiants pour faire débat, poser questions sur un ensemble pensé qui a aidé le pays à avancer à travers ça ou écrit. C'est dans l'idée ça, responsable vice-rectorat dans les affaires académiques dans l'Université de l'État, organiser journée étude ça sous cardinal Jorge Mario Bergoglio, pape François. Qui proche nous, et puis c'est petit immigré, c'est-à-dire que c'est papa c'était italien, mais il fait dans l'Argentine. Et puis comme grand bon livre qu'a écrit sous pape François, bien près plus qu'on centaine de livres qui déjà écrit sous monsieur, nous même nous dit en Haïti comme université d'état d'Haïti, nous dit bon on organise une journée autour de figure ça qui ça monsieur dit pour que ça moun y a parlé comme ça de lui à travers le monde. Activité ça t'est occasion pour divers professeurs, docteurs dans divers domaines, garder à quotidien yo vision pape François sous justice, dette sociale, question politique, question mondialisation indifférence, c'est un point pape François abordé dans livre liyo qui était dans mitan débat autour. Organisateur yo utiliser concept ça pour encourager population puis solidaire une avec l'autre. Jean pape François dit là pour sortir dans mondialisation indifférence pour aller dans mondialisation fraternité. Notion de dette sociale là est importante, oui. Ça veut dire que nous avons dette vis-à-vis de tout le monde qui vit dans le pays. Ça veut dire que, nous avons dit, depuis que nous sommes dans ce monde, ouais, c'est ça la question de dette là, oui.
Depuis moun nan c'est moun, c'est pour ça que nous retournons avec notion d'aide sociale la ca hyper personnel là. Ça veut depuis moun nan c'est moun. Écoutez bien, depuis c'est moun, il t'a droit manger, il t'a droit travailler. Ça c'est dette ça, ça veut dire que yon gouvernement gagne dette ça vis-à-vis pays là. Vis-à-vis population. Même question politique là, pas gain politique. Donc peuple là, il parlait de réhabilitation de la politique, refondation de la politique. Politique là c'est mon bail qui sale. Faut d'abord, monsieur dit policiers sont pas équinobles, sont bons bagailliers. Mais maintenant, monsieur dit que yon moun pas capable de gouverner sous par un pays. C'est prendre pas ça. Sous par un pays, et gon bagaille, monsieur habitué dit, par François, il faut porter la patrie sur ses épaules. Maintenant, je dis, comment porter la patrie sur nos épaules? Journée dit ça, c'est une parmi une série responsable au comté organisé. Dans le mois qui vient là, professeur Ewald Toussaint a annoncé une autre journée, il prévoit faire sous antenne fermée. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, l'opposition en tant que plusieurs personnalités sur la scène politique française a critiqué la participation de la France dans la frappe contre la Syrie. Frappe Sayo est en main sorti vendredi 12 pour l'ouvrir samedi 13 avril 2018. Là. Nous invitons à suivre un reportage. Après frappe dans le pays Syrie qui commençait dans la nuit de vendredi 12 pour arriver samedi 13 avril, là, Premier ministre français Édouard Philippe te recevra dimanche 15 avril 2018 là dans le cadre d'une réunion en privé responsable Assemblée nationale là Sénat mais tout représentant groupe parlementaire pour ba explication sous décision président Macron pour l'associer la coopération militaire dans pays Syria. C'était occasion pour député prendre la parole alors que plusieurs figures opposition ont déjà critiqué participation la France dans frappe contre la Syrie. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez dénoncent frappe sa youtou, tandis que dans le Parti Socialiste, la plusieurs personnalités, tant qu'Alain Juppé, Xavier Bertrand, soutenir opération ça. Jeudi lundi 16 avril, là, un débat parlementaire planifié. Côté Édouard Philippe, Abgué pour bail détails sur opération Yoak initiative diplomatique, les comptes mettaient sous pied yo. Paris, Washington, et Londres, menaient plusieurs frappes coordonnées dans le pays Syrie. Trois sites qui liés à programme armement chimique la te visé. Opération Sayo, c'est une réponse à attaque chimique dans la ville syrienne Douma la semaine passée. D'après Occident, c'est le régime Bachar al-Assad qui est responsable. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour aujourd'hui. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés à la Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonne semaine tout le monde.